caméraman, vas-y, viens avec moi. Je vais filmer l'intérieur avec la lumière. Notre Dieu, nous savons que tu prends part à toutes nos douleurs et aujourd'hui nous venons encore devant toi pour te demander de le confort que toi seul es capable de nous accorder. Purifie-nous, sanctifie-nous et donne-nous tout le courage pour mener à bien ce culte. Aujourd'hui, c'est le jour de deuil pour maman Pauline, qui est ton enfant que tu connais. La séparation avec toute la famille, les enfants, les amis, les sœurs et les frères en Christ que nous sommes est toujours difficile. Mais nous te demandons de ne pas nous laisser dans les ténèbres de la mort, mais nous te demandons la vie éternelle qui doit nous accompagner et qui doit accompagner ta fille, maman Pauline Tidekele, que tu connais très bien. Papa Pasteur va nous donner le mode de vie, la conduite à tenir pour nous qui l'accompagnons, qui restons et qui attendons que papa nous explique comment nous devons faire pour ne pas qu'il soit trop tard.
l'observation. L'observation, la loi et les œuvres selon la coutume de notre Église. Conduis tes enfants, les affligés, les enfants dans cette douleur. Nous les confions à toi, Seigneur, pour que le calme après cette cérémonie reste définitivement dans toute la famille et nous, les amis qui les accompagnons. Sois avec nous, Seigneur, du début de cette manifestation jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour cette cérémonie, nous aurons trois lectures à faire. Trois lectures bibliques qui seront prises sur trois livres. Nous allons commencer par l'Exode. L'Exode 20, du 1er au 17e chapitre. Je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. On peut fermer ce téléphone, s'il vous plaît. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Nous allons faire la lecture de notre deuxième texte tiré de Psaume. Le Psaume 90, verset 10. Je vais lire.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. La troisième lecture est tirée du livre de la Genèse. Genèse 27. Genèse 27, chapitre 1er au deuxième chapitre. Je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit à son fils, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. » Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, me voici devant tes enfants, me voici devant la dépouille de ta fille, maman Pauline. Que vais-je dire à tes enfants? Je t'appelle, papa, que tu viennes toucher la sensibilité auditive de chacun de tes enfants, à l'écoute, à la réflexion et à la méditation. Ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons lu deux livres. Le premier, c'était la loi. Dieu, en créant l'homme, pour éviter que l'homme se perde, Dieu donne à l'homme la loi pour que l'homme reste près de Dieu, pour que l'homme ne s'éloigne pas de Dieu. Et Dieu, en donnant la loi à l'homme, il attend de l'homme un certain retour de fidélité à la loi. Sommes-nous fidèles à la loi aujourd'hui? Nous commençons à trier les lois. Certaines lois deviennent très amères pour nous, on les écarte. Or, sans la loi, Dieu ne sera pas proche de nous. Et souvent, je le dis, le kimbanguiste est comme un poisson. Il vit dans l'eau. Le poisson, si vous le sortez de l'eau pendant 15 minutes hors de l'eau, il va mourir. Parce qu'il est sorti de ce milieu vital. Excusez-moi. Le kimbanguiste aussi, quand il sort de la loi, il est mort. Il est mort. Donc le kimbanguiste, son milieu vitalo, spirito, est la loi. Le kimbanguiste vit dans la loi. Les textes que nous avons lus, Isaïe s'entend la vieillesse, l'amortissement de son corps. Alors, dit à ses enfants, je ne connais pas le jour que je vais mourir. Il avertit ses enfants, je vis, je sens l'amortissement de mon corps, alors je ne sais pas le jour que je vais mourir. Personne ne connaît le jour qu'il va mourir. Même le Fils ne connaissait pas, ne connaît pas, sauf le Père. Tous ici ne connaissons pas le jour où je vais mourir. Tous. Alors, nous sommes tous avertis. Nous sommes tous avertis. Et la Bible nous donne deux plafonds d'âge qu'il faut
atteindre et ne pas dépasser. 70 ans que l'homme doit vivre. Les plus robustes iront à 80 ans. Et aujourd'hui, nous voyons avec la maladie qui arrive, ils disent bien que les 70 ans, les 80 ans, ils sont très fragiles à la maladie. Alors c'est pour dire que non, ils rejoignent la Bible. La Bible dit que l'homme ne peut pas atteindre 100 ans. C'est vrai. Hier, Abraham, notre ancêtre, avait 400 ans. À leur époque, le mode de vie était différent du nôtre. Aujourd'hui, toi et moi, à la mesure où nous vivons, nous ne pouvons pas atteindre 100 ans. Certes, il y en a qui atteignent 100 ans, mais il faut les voir comment ils vont. C'est pour dire que papa et maman, toi et moi, préparons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Mais aussi, il faudrait qu'on œuvre pour Dieu. Parce que ce jour-là, on ne connaît pas qu'est-ce qui nous attend à la porte. Qu'est-ce qui nous attend à la porte? Et ce jour-là, nous serons tous surpris. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Préparons notre chemin aujourd'hui. Comme a fait maman, à la dernière minute, elle est repartie vers son Dieu. Aujourd'hui, la porte, elle est ouverte pour elle. Tant mieux. Tous nous sommes contents. Elle va être à côté de son Père céleste. Elle va continuer sa vie spirituelle. Ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Sukayali wanangai, sukay bomo inangai pili. Maître Jean, moko ya kamatanzi. Sukay bomo inangai, ezali liwa. Sukay bomo inayo, ezali liwa. Sukay bomo inayo, ezali liwa. Sukay bomo. Soyo osalaki awana mokili okozela kaka melengeli futi suka ya bomoi na yo ezali liwa suka ya bomoi na yo ezali liwa masoyo le mot que la famille doit faire, doit lire. La lecture et le mot de la famille, ce qui va se dire, c'est le mot de la famille.
s'il y a quelque chose à dire dans les parents. Hein? D'accord. Moi, on est en cette Oh, my God.
Mama Mwilu, Mama Mwilu, swala kumuna yo. Yonde uzali mama ya mabota. Tombo na yo na minoko na biso e kozala. Yankeke na bikeke. Ukombo ya tata, ya mwana, tata mulimu santu. Toko kata mwa muke. Maman présidente de l'Afrique a zali na discours ya kotanga. To yo ka esiko. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prends la parole au nom du chef spirituel. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Au nom de la conseillère du chef spirituel, Maman Mouilou Kiawanga Marie. Au nom de la prison générale de l'AFKI, Maman Rose Kissima Makiese. En ma qualité de présidente de l'association des femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, nous allons parler de Maman Pauline. Maman Pauline était et restera une maman respectueuse, courtoise, gentille, toujours à l'écoute, obéissante, discrète, forte et courageuse. Toutes les mamans de la paroisse le disent. Maman Pauline était fidèle de la paroisse de Montreuil, impliquée dans la vie de la paroisse, dans les travaux de l'église, notamment à l'association des femmes kimbanguistes, sans oublier Kamba Nouvelle-Jérusalem. Au fil du temps, elle a eu à suivre les cours de catéchisme et le 31 janvier 2021, elle s'est fait baptiser, contente et fière d'être devenue kimbanguiste. Peu après, Maman Pauline a exprimé le désir de se rendre en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Elle a préparé son voyage comme toute personne. Le 28 septembre 2021, elle a voyagé avec des mamans de la paroisse. Elle s'était rendue à Mbanzangungu dans un premier temps pour fêter la grande fête marquant le centenaire du 3 octobre, dernier centenaire de l'année 2021. En effet, l'église kimbanguiste a fêté le centenaire du jugement et la condamnation à mort de Papa Simon Kimbangu. La fête fut achevée en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Maman Pauline fut très heureuse d'avoir posé ses pieds sur la terre promise, la terre de nos ancêtres pour la première fois, Kamba Nouvelle-Jérusalem. De ses 75 ans, Maman Pauline monta la grande côte de Kamba Nouvelle-Jérusalem sans difficulté, et cela était admirable. C'est également avec courage que Maman Pauline s'apprêta dès 5 heures du matin pour le culte matinal. Elle a participé tout autant et tous les jours au Tinsani. Au cours de son séjour, elle fut de plus en plus épanouie. Maman Pauline m'avait dévoilé son métier de journaliste que j'ignorais. J'ai fui surprise de l'apprendre et contente à la fois. Elle avait même eu l'occasion de partager son savoir-faire à travers des conseils à un des journalistes d'une chaîne locale qu'elle aimait parfois regarder. J'en étais émerveillée. Maman Pauline a assisté également aux 70 ans de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani le 12 octobre 2021. Une date historique, car nous avons fêté un double événement, la disparition physique de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951 à Lumumbashi, et en même temps la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le 12 octobre 1951 en Kamba Nouvelle-Jérusalem. La fête a duré 3 jours. À la fin de la fête, Maman Pauline avait même eu
elle a même pu s'entretenir avec le chef spirituel Papa Simon Kimunkengani en date du samedi 15 octobre 2021. À la sortie de son entretien, elle fut comblée de joie et très souriante. Par sa détermination, Maman Pauline aura réalisé son rêve le plus ardent, rencontrer son Dieu à la cité sainte Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Ceci est désormais écrit et accompli. Maman Pauline, aujourd'hui tu nous quittes, tu quittes cette terre en paix. Nous ne retenons et retiendrons que de bonnes choses de toi et de ces bons moments passés en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. En ma qualité de président de l'Association des femmes kimbonguistes, je demande de manière solennelle à notre vénérable et vénérée Maman Mouilou Kawanga Marine Ditani Suzanne de t'accueillir avec joie et que notre consolateur, sa divinité Papa Simon Kimbonkiarani, te réserve une place dans son royaume céleste, car tu as tout fait et tout dit. Que la terre de nos ancêtres soit douce et paisible. Repose en paix dans la joie de l'Éternel, Maman Pauline. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maman présidente de la vie. Ben, maman, pour ça, on est tout ça. Allez, Nzembo. Yonde kozali kobongisa nzoto bongisaka pe molimo mayo pe mokolo masuka nzoto ekopola kasi molimo ekosambwisa ma yonde kozali kobongisa nzoto bongisaka pe molimo mayo po mokolo masuka nzoto ekopola kasi molimo ekosambwisa ma
singe qui dit oh, Yelouselemi, 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 Banza yo ya ba. Mbasi fo, isi batatula, kango tata simoni usina yo zama. Wow.
Masolo salaki awana mokili okojela kaka melende li futi tina za masolo landa Oh,
Aïe. Et tu ne pourras pas parler. Il n'est pas encore là pour aller là-bas. Maman. Ah non, mais elle n'a pas besoin de la maman. Demander un chant d'ensemble. Après le chant d'ensemble, Maman Lero fera une prière. Pour que nous commencions notre cérémonie. Si l'onzambi ou kantila mukimwana kiame Telame se salu kyangu nzanzambi Silwa nzambi ukansila Muki mwana kyame Telame se salu kyangu nzanzambi Thank you.
Bâtir les filmés. Avec moi. Celui qui filme à l'intérieur avec la lumière. Thank you.
Bah, j'ai les filmés.
5-6. Moi, tout après 50. Allez, we'll be right back.
Tosengi nzembo ya bato nyoso sima ya nzembo tokosenga libondeli na mama reverente presidente ya Afrika. Sima nzambi ukantila muki mwana kyame ndela mese salu kyangu zanzambi silwa nzambi ukantila muki mwana kyame ndela mese salu kyangu zanzambi tusadile salu kyanzambi mukeleka 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 tusadile salu kyanzambi mukeleka enza ya vima mbangi kwa furuka tobondela na kombo ya tata ya mwana ape ya tata mulimo santo nzambe wabiso papa tusolo kule lukelo sha Daniel nzambe wabiso papa jalungana apemba ni Salomo nzambe wabiso papa jangena kuntima Joseph katina bino misato na nzambe moko papa Simon kimbangu kiangani moko njabule moko njalingomba l'alpha pelo mega mama mwilu kia wanga Marie Nditani Suzanne mama ya bana ebele nini tokolo bana ngunga oyo yawe mulimo santo papa Simon kimbangu kiangani Minga koloba ezalite oyo toye kotika mama na dernière demeure na ye yawe mulimo santo papa yo yebi mwana na yo osoli na mwana na yo osali nyonso pona mwana na yo ya solo mana yo asi alongi elongo to sengi yo mulimo santo nzambe ko grand malelo oyebaki yango oyebaki lelo tozoye kotika mama na dernière demeure na ye To yebike yo moli mosa to nzambe ozalipe awa. Papa Simon kimbangu kiangani. Na seng na yo moli mosa to nzambe lata mwana na yo papa pasteur. Manso wa koloba ezala ya yo.
munoko ezala ye kasi maloba ezala ye boke ya mama to pese ngone te maboko na yo tika bo yamba ye nenge bolingo pe mano ezali zala biso banda program tina suka na komba na bine misa ta bolenza mbe tata nzambe mwana nzambe tata muli mo santo singa ramaso amen amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au commencement, Dieu n'a pas créé la mort. Celle-ci a été imposée à tout être humain après la chute d'Adam et Ève. Depuis la victoire de Jésus sur la mort, celle-ci ne demeure un châtiment que pour ceux qui ont refusé de recevoir la vie en Christ. Car pour ceux qui croient en lui et qui ont marché selon ses commandements, la mort est la voie pour arriver dans le royaume des cieux où Jésus règne avec les justes pour l'éternité. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Comme Adam, tous meurent. En Christ, tous reprennent la vie. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car la mort n'est plus de pouvoir sur eux. » On peut descendre le cercueil, s'il vous plaît. Si vous pouvez reculer un petit peu, vous pouvez essayer de s'accéder, s'il vous plaît. Passez mes collègues, s'il vous plaît. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Christ, tu es le roi de gloire. Tu as vaincu les affres de la mort. Ouvrons ainsi les portes du royaume des cieux à ceux qui t'obéissent, qui croient et qui espèrent en toi. Terre, tu es terre. Dans la terre, ton corps retourne. Comme il a plu au Dieu, créateur, de rappeler à lui ton âme, nous remettons ton corps dans la terre d'où il a été tiré et nous remettons ton âme entre les mains
main du Sauveur. Il est mort et ressuscité. Et en lui, nous avons tous de fait la mort. Poussière dans la poussière. Cendre dans la cendre. Poussière et cendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence et de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que pour nous conduire où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend ceux qui meurent en lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous pour toujours. Amen. Amen. À vous tous qui avez honoré de votre présence cette cérémonie d'inhumation de Pauline Tshidekele, que vous avez certainement côtoyée dans diverses circonstances de la vie, la famille vous remercie très sincèrement de cette marque de sympathie que nous apprécions profondément. Il en est ainsi pour la trame de la vie. Elle commence un jour et s'achève en 100 ans et nous y sommes. Journaliste émérite, Pauline a servi son pays avec une passion manifeste. Fort de son expérience, elle n'a cessé de s'impliquer dans les débats pour la refondation de son pays, le Congo. Pauline s'en va en laissant une progéniture qui se multiplie et nous en sommes vraiment honorés et fiers. Tu voudras bien partir en paix, grande sœur. Nous ne cesserons de nous souvenir de toi comme combattante de la liberté pour tous les hommes. Ton amour pour le pays a fait de toi une véritable militante de la cause de la liberté, et ça, on n'oubliera jamais. Va en paix, grande sœur, et ton souvenir meublera encore pour longtemps notre engagement citoyen. Adieu, Pauline. Merci. Maman présidente. Après, c'est les enfants qui vont passer et qui veulent jeter un peu du sable dans le caveau de maman. Hein? On finit? On finit, c'est fini. Vous voulez que je fasse un petit annonce pour les gens ou pas? Pour le sable? Ouais, si tu veux, oui. Symbolique. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Pour les personnes qui désirent déposer un peu de sable sur le cercueil, surtout n'hésitez pas. Par contre, après votre passage auprès de madame, je vous invite de regagner à l'allée 33. Ou bien à la sortie du cimetière, parce que le cimetière doit fermer dans une heure. Merci mesdames et messieurs. Bon, les enfants, la famille. Bien sûr.
Daddy, da. Les mots me manquent. Nous voici à la croisée de chemin. Ici et maintenant, on se sépare charnellement. Ensemble, nous avons partagé 20 ans, 27 ans de vie sans discontinuité. Des moments comblés de joie, de bonheur, d'expérience et d'amour. Comme tu aimais me le dire chaque fois, Tambemba, Bakalara Kurako Ananzambi, tu me laisses subitement dans la douleur et la tristesse. Un moment pénible et difficile. Que des larmes. Des larmes pour évacuer toutes ces émotions. Ton cycle de vie avait commencé en fin d'année 1944 et se termine en fin d'année 2021. Que des regrets. Des regrets éternels et intarissables. Tu me le disais toujours, Tambemba. Toko fwaka zabakana kako, kange kunjika. Dadi, je suis devant toi. J'ai pas failli. Ça avait commencé un jour. Et ce jour-là, c'était le jour de l'intronisation de ta Kolela à la mairie de Brazzaville. Ça s'arrête un jour. Dadi, je vais te laisser ici. Je ne vais pas t'oublier. Je ne vais pas t'oublier. Je reviendrai de temps en temps. Je me disais et tu m'as dit, je vais avec ça. Ainsi va la vie. Va te reposer. Je vais te reposer, Dadi. Adieu. Adieu, Dadi. Adieu. Dieu, maintenant, je crois qu'on nous a déposé qu'il y a un peu de femmes, j'ai envie de passer par ici pour que les autres gens ils puissent s'approcher également. Mère, tu nous as eu, on était six. On était six, maman, tu nous as toujours dit de compter six, de ne jamais oublier Rodrigue qui est parti très tôt à 6 mois. Maman, il y a Biki, il y a Rita, moi. Il y a Madou qui nous a quittés, il y a Lola qui est là derrière, moi, maman. Tes petits-enfants t'aiment beaucoup. Tes petits-enfants t'aiment beaucoup, Yaya. Leur Yaya, tu leur as toujours dit, je ne suis pas votre grand-mère, je suis votre Yaya. Moi, vous m'appellerez Yaya, je ne suis pas votre grand-mère. Maman, nous, on est là, on est venu te laisser, maman. Tu nous laisses dans la peine, maman. Tu nous laisses dans la souffrance, maman. Tu nous laisses dans la souffrance parce que tu n'as même pas parlé, tu ne nous as même pas laissé à mort. Tu nous la laisses pas laisser à mort, maman.
dès que ce matin me disait, maman, pourquoi elle n'a pas parlé? Pourquoi elle ne nous a pas laissé un mot? Pourquoi elle n'a pas dit quelque chose? Elle est partie comme ça. Kagwa dit la même chose. Tous tes petits-enfants disent la même chose. Maman, va en paix, maman. Maman, va en paix, maman. Elle n'a pas beauté, maman. Tu sais que je me rends à la cour. Elle n'a pas beauté. 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 Maman, tu m'avais demandé de t'habiller en tenue de Kimbangis, maman. Je l'ai fait. Je m'avais tout dit à Kunkamba, maman. Napoline Naouma! Napoline Naouma! Napoline Naouma! Napoline Naouma! Napoline Naouma! Je t'aime, maman. Maman, je t'aime de tout mon cœur, maman. On peut passer, hein? Congo, Pauline, j'ai fait ce boulot à cause de toi. Linga, vous s'entraînez, vous te salut, Jaya. Nala, ne pas l'ichène sur mon beauté, ma bourge à samba. Paya, Dieu, Yolande, Dieu, ouais, ma blague, Milongo, y'a Pauline. Aïe, 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 notre journaliste mérite. Yaya va en paix. Voilà, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, messieurs, dames, cimetière, il doit fermer ses portes dans une heure. Et les membriers, il faut qu'ils puissent refermer les sépultures. Donc, je vous invite de vous dépêcher un tout petit peu, je suis navré, je suis désolé. Mais on a pris... We'll be right back.
tosengi nzembo ya bato nyonso sima ya nzembo tokosenga libondeli na mama reverente présidente ya Afrique. Zambi ukatsila muki mwana kyame tena mese salu kyangu zanzambi silo Zambi ukatsila muki mwana kyame tena mese salu kyangu zanzambi tusadile salu kyanzambi mukeleka Mukeleka, mukeleka, tusadile salu kyanzambi mukeleka, enza yambima mbangi kwa furuka. Dobonde la, na kombo ya tata ya mwana ape ya tata mulimo santo. Nzambe wabiso papa kisolo kele lukelo sha Daniel. Nzambe wabiso papa jalungana janga ni Salomo. Nzambe wabiso papa jangena kuntima Joseph. Katina bine bisatu na nzambe moko papa Simon Kimbangu kiangani. Moko nja bule moko nja lingomba l'alpha pe l'omega. Mama mwilu kia wanga Marine Jitani Suzanne. Mama ya bana ebele. Nini tokolo banangunga oyo. Yawe molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani. Mingi kolo bezalite. Oyo toye kotika mama. Na dernière demeure na ye. Yawa moli mo santo papa. Yo yebi mwana na yo. O soli na mwana na yo. O sali nyonso pona mwana na yo. Ya solo. Mwana yo asialongi. E lokto sengi yo moli mo santo nzambe.